Coucou. T'as ASMR regard. C'est Nico. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, une nouvelle vidéo de relaxation. Alors attention, ce sera une relaxation uniquement avec ma voix. Je sais que je vais faire beaucoup d'heureux car la précédente vidéo était une vidéo de relaxation par le bruit. Et c'est donc pour cela que j'ai décidé de vous proposer une nouvelle vidéo avec ma voix. Cette vidéo sera une vidéo de mise à jour. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ma chaîne Nicolas ASMR Relaxation. Nous allons parler de vous, mais également de moi. Tout d'abord, je tenais à commencer cette vidéo justement par ce sujet. Donc, car j'ai beaucoup la question sur mes parties commentaires, je n'aime pas les vidéos où il y a que des petits bruits, où je n'aime pas les vidéos où tu parles. En fait, la réponse est toute simple, parce que l'ASMR est un déclencheur. C'est le mot qu'on a mis pour ce terme-là. J'essaye de le traduire un peu en français, c'est un peu compliqué des fois. Mais, personne a le même déclencheur, ce qui est tout à fait normal. Il y a des gens comme moi qui sont très sensibles, qui sont déclenchables par tout type de déclencheurs ASMR, tels que les voix, les bruits, que ce soit les bruits artificiels, ceux du tapping ou des bruits naturels tels que le vent, les vagues, tout ça. Les déclencheurs aussi visuels, où il n'y a pas de bruit, ce sera que du visuel. Je suis aussi également déclenché par ça. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont déclenchées que par un seul ou deux ou trois déclencheurs ASMR. Donc c'est normal. Mais cependant, sur ma chaîne Nicolas ASMR Relaxation, j'ai décidé de proposer des vidéos de tout thème pour tout le monde. Donc il y aura des vidéos de relaxation par le bruit, des vidéos de relaxation avec la voix. Je vous demanderai juste d'être patient en fait entre les deux publications de vidéos. Et voilà, tout simplement pour faire plaisir au plus de personnes qui souhaitent de la relaxation bien sûr. J'espère qu'en tout cas j'aurai répondu aux questions des fois qui me sont posées par rapport aux vidéos de relaxation par le bruit. Ensuite, je tenais à remercier 7100 personnes qui se sont abonnées à Nicolas ASMR Relaxation. Plus précisément, qui se sont abonnées à un monde de détente, un monde de paix, un monde où personne ne se juge, un monde où on prend son portable, on ouvre son application YouTube, on branche une paire d'oreillettes et on se relaxe. Un monde où que vous soyez blanc, noir, que vous habitiez en Chine ou au Mexique, c'est un monde où tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir se détendre. Tout le monde peut venir chercher ce qu'il a besoin. Bien entendu, en parlant de relaxation. Malheureusement, vous et moi, nous savons que parfois l'ASMR est mal compris. Et c'est pour ça que je vais lancer un appel solennel à toute, je dis bien toute la communauté ASMR française, à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qu'elles soient abonnées ou non. Car la communauté ASMR française en ce moment est présente, mais beaucoup moins qu'avant. Et bien entendu, je m'inclus dedans. Je tenais à vous dire que parmi vous,
S'il y a des personnes qui souhaitent publier, partager, faire des vidéos ASMR, se lancer dans cette merveilleuse expérience, je les invite vraiment à poster sur YouTube et à étoffer la communauté ASMR française. À l'image de nos amis américains qui, eux, ont réussi à vraiment faire lever ce mouvement qu'est l'ASMR. De par Gentle Whispering, qui pour moi a su fédérer, elle a su regrouper et elle a su prouver, je parle médiatiquement, que l'ASMR n'est absolument pas sexuel. Je pense que vous qui me regardez être conscient de ça, mais malheureusement, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout et tout le monde. Et les mauvaises pensées ont vite fait de fuser. Voilà, donc je relance mon appel. Si vous avez envie de faire des vidéos, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. N'hésitez pas également aussi à faire connaître, à en parler. À dédiaboliser l'ASMR en France, car ce qui est nouveau fait peur, ce qui est nouveau intrigue, ce qui est normal. Mais comment intriguer en parlant de relaxation? Donc n'hésitez pas à poster des vidéos. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de conseils. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Nicole ASMR Relaxation. J'ai également aussi, à titre privé, quelques petits changements. J'ai dernièrement demandé une mutation à mon travail, car je m'ennuie un petit peu sur mon poste. Alors, je sais qu'il va y avoir plein de questions en me demandant ce que je fais. Malheureusement, je ne peux pas vous dire en précision. Mais j'ai décidé d'être muté et de changer de poste, tout simplement pour me redonner une envie. J'ai besoin de bouger, voilà. Donc j'espère que d'ici la fin décembre, cette mutation sera acceptée. Et ce qui en plus me permettrait et me laisserait beaucoup plus de temps pour moi, pour faire des vidéos, pour plein de choses. Donc voilà. Ensuite, avec ces fêtes qui approchent, comme vous avez vu en plus sur ma dernière vidéo, j'ai décoré mon petit sapin de Noël. Parce que bah, j'en ai pas besoin d'un trop gros vu que je suis tout seul. Mais avec les fêtes qui arrivent, c'est toujours le mois un peu familial, un peu où tout le monde est content. Donc je tenais à souligner ça et à vous souhaiter de très très belle fête par avance, encore une fois. Et vous souhaitez de très très bonnes résolutions 2015, car il faut en faire. Et j'ai déjà mes petites idées pour moi. Et voilà, tout simplement de très bonnes fêtes et une excellente année 2015 en avance, hein, si on se revoit pas sur YouTube avant. Voilà. En tout cas, je tenais encore à remercier toutes les personnes qui ont fait que Nicole ASMR Relaxation aujourd'hui est vraiment quelque chose à part entière. C'est quelque chose qui a une âme et c'est grâce à vous. Voilà. Également, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont là depuis le tout début, depuis précisément le 21 mars 2012. L'ouverture de ma chaîne, parce qu'il y en a. Effectivement, le 21 mars 2012, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne ASMR, car ça faisait depuis quelques temps
que je regardais des vidéos ASMR, plus précisément Gentle Whispering et ASMR Massage. J'ai décidé de publier une vidéo, je me rappelle encore, avec du riz. Et il y a des personnes qui étaient là depuis cette vidéo qui sont encore là. Et bah, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est que ça me touche au plus profond de mon cœur et que je ne vous serai jamais reconnaissant, car c'est grâce à vous que la chaîne aujourd'hui est encore là. Et c'est grâce à tout le monde maintenant qu'elle continuera à exister sur YouTube. ASMR au cœur, je vous dis à très vite. Je vous embrasse très très fort. Cette vidéo, aura été courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. C'est uniquement une vidéo de mise à jour. Prochaine vidéo, roleplay. Je vais faire des heureux, pardon. Et je vous dis à très vite.